une fille qui me plaisait dans l'aventure. Pas vraiment. Je sais que j'aimais bien Astrid, mais ouais, c'était compliqué. Emma, très sensible. Voilà, c'est une fille qui est juste très sensible en fait, vraiment peut-être même hypersensible. C'est vrai que voilà, c'est très facile de la blesser. Emma, elle prend des choses beaucoup à cœur. Donc voilà, je dirais sensible. Arrête de pleurer parce que je suis très content de partir. Ne pleure pas. Malgré toutes nos petites querelles amicales, voilà, je sais que t'es une fille en or et que tu vas trouver forcément un mec qui va te combler de bonheur. Bah attends, c'est pas un crâne parce que c'est depuis le début. Allez-y, je kiffe en ce moment. Emma, c'est ma petite sœur, c'est sûr, voilà, je me suis très bien entendu avec elle et c'est une fille que je respecte énormément, je l'adore, donc ouais, je me suis très bien entendu avec elle et c'est une bonne fille. Raph, Monsieur Pépin, c'est un garçon que j'ai pas trop eu le temps de découvrir dans l'aventure, mais que j'ai pu passer du temps avec lui et c'est un garçon que j'adorais, voilà, très vrai, il s'en fout en fait, vraiment, il a sa vie, il a son truc et je l'adore ce mec-là, il est vraiment cool, il se prend pas la tête, j'aime bien. Toto, Toto, le Toto le sang. Mon Dieu, Toto, que dire. Personne fantastique. Vraiment, ça a été mon grand frère dans cette aventure. Il n'y a pas grand monde avec qui je ne me suis pas entendu de toute façon. Mais lui, vraiment, c'est quelqu'un qui est très spécial pour moi. Je lui parlais encore tout à l'heure. Et c'est un garçon vraiment fantastique. Vraiment. Toto et moi, on s'entend beaucoup parce que, voilà, on a, je pense, les mêmes valeurs. On s'entend très bien sur ça. C'est sûr que c'est quelqu'un, quand il avait besoin de conseils, il venait me demander à moi. Moi, c'était pareil quand j'avais besoin de conseils pour aller demander à lui. Et au final, voilà, c'est vraiment quelqu'un avec qui ça a connecté, les mêmes délires, on s'entend vraiment bien et j'ai hâte de le revoir. Astrid, mon Dieu, Astrid, obésité morbide, voilà. Elle fait que manger tout le temps, elle mange tout ce qu'elle trouve, vraiment, elle mange peut-être, allez, moi je vais prendre une assiette, elle en prend quatre, vraiment, c'est impressionnant, je comprends pas comment est-ce qu'elle peut encore ressembler à ça. Mais vraiment une fille que j'ai beaucoup aimée, j'ai beaucoup accroché avec, on a beaucoup ri. J'essaie de l'emmener courir quelques fois le dimanche, mais elle a suivi qu'une fois, je crois, et elle s'est très vite arrêtée. Mais je l'adore, j'adore. Maïsan, bon, je vais la mettre bien en disant intelligente, moi ça lui fera plaisir, parce que je sais que son 147, c'est son chiffre de toute sa vie. Mais très intelligente, voilà, beaucoup de réparties. Tatouage. Le gars, ce qui m'a marqué le plus chez lui, c'est qu'il a que des dates de naissance tatouées sur tout le corps. On dirait ses rappels de vaccin. Je ne comprends pas le concept, on dirait des dates de péremption, je peux plus. Et ça m'a marqué chez lui, je n'arrivais pas à me sortir de la tête, ces tatouages. Je dirais que c'est un Don Juan, pour être mignonne et pour pas dire chien de la casse. Mais il les veut toutes. Une fille à qui j'ai beaucoup aimé parler, c'est sûr qu'on a fait des petits clashs intelligents entre nous, voilà. Personne ne comprenait autour. Mais c'est une fille que j'aime beaucoup et voilà, ouais, c'est un personnage quand même, c'est quelque chose. Maïsan, je pense pas que ce soit une fille qui puisse me plaire, parce que je pense que voilà, tous les deux, voilà, ça aurait peut-être été pas de l'attirance intellectuelle, justement, on serait peut-être battu à cause de ça. Donc au final, voilà, je pense que non, mais c'est une fille qui, en tout cas, amicalement, m'a beaucoup plu. Kevin, ah, pareil, c'est mon frère, je saurais pas quoi dire d'autre. C'est vraiment un garçon qui compte beaucoup, beaucoup pour moi. En fait, dès que j'étais avec Toto, j'étais avec Kevin aussi. Donc voilà, j'ai été au cœur de toutes les histoires Kevin, Yelena et voilà, donc c'était vraiment... Alors là, je sais pas pourquoi Kevin y fait ça, il est en train de tout gâcher, c'était censé être mignon et là il se pointe avec une assiette, on dirait que c'est du vomi dedans. Mais t'es sérieux en fait? Tu comptais vraiment me mettre ça sur la peau? C'est hors de question. Je vais te mettre sur le visage, Bouge de là. Attention, ne mets pas de coups. Non, tu restes là. Non, t'as gâché mon Tu restes là. Non, t'as gâché Tu restes là, tu restes là. Attention. Tu restes là. Viens ici! Donc toi, je fais un truc romantique, tu me fais ça! Viens ici! Kevin, il vient clairement de me saouler, il m'a gavé, j'ai pas compris pourquoi il avait décidé de faire ça. En plus, Kevin, à chaque fois, il me reproche que je fais rien. Pour une fois que je fais quelque chose, pourquoi tu viens tout gâcher comme ça? Vraiment un mec super, j'ai adoré Kevin, je lui parlais aussi tout à l'heure. Donc c'est vraiment un mec que j'ai hâte de retrouver. Et voilà, il comprendra, j'ai hâte qu'on se retrouve pour manger une mitraillette. Voilà. Faut que je suis une idiote, tu crois? Yelena! Dramatique, voilà, c'est ma petite Yelena, je l'adore, c'est vrai que c'est un personnage elle aussi, elle va dans tous les sens, elle va à 100 000 à l'heure, faut la suivre, c'est compliqué, mais je l'adore, vraiment cette fille très intéressante et loin d'être bête. Rania spéciale, dans le bon sens du terme, je pense que voilà, c'est une fille qui est arrivée dans l'aventure et que nous on avait un petit peu des a priori sur sa personne, et au final c'est une fille que j'ai rencontrée moi personnellement ensuite, face à face. Et j'ai beaucoup aimé cette fille, vraiment voilà, c'est sûr qu'elle m'a sauvé la vie dans l'aventure, quelque part, donc je lui dois tout, mais c'est une très belle personne, et
Ouais, je sais pas, elle est spéciale, c'est vraiment quelque chose, cette fille, et très intéressante. Héloïse. dramatique, elle aussi. C'est vrai que entre elle et Naka, à chaque fois, c'est vrai que c'est un couple qui, voilà, les hauts, les bas, plus de hauts que de bas. Mais c'est une fille très sensible aussi, voilà, elle est très jeune aussi, mais très gentille, adorable, sincèrement. Et quand elle a le sourire, tout va bien. Et Louise, elle est dramatique, parce que c'est vrai que voilà, il y a eu beaucoup de pleurs. None. Dans cette aventure, beaucoup, j'ai vu beaucoup de pleurs. C'est vrai qu'elle a mis du temps avant vraiment de se mettre dans le bain et d'être bien confortable en fait comme il faut, parce qu'elle n'a pas pu passer tout le temps qu'elle voulait avec Naka. Mais au final, à la fin, je pense que tout est rentré dans l'ordre et je l'ai plus vu à la fin que le sourire qu'autre chose. Donc, Alan. Alan, c'est mon partenaire, c'est mon confident, c'est quelqu'un avec qui j'ai fait tous mes plans, c'est quelqu'un qui m'a mis dans tous ses plans lui aussi. Et rien que quand je parle d'Alan, j'en rigole, parce que Alan, si je dois lui dire un mot, c'est la maladresse. Donc voilà, vraiment le maladroit. Mon Dieu, rien que j'en rigole, il me fait trop rire ce garçon. Et c'est un mec vraiment que j'ai hâte de revoir sur Marseille. Il me manque beaucoup et c'est un gars avec qui tu rigoles H24. Greg Basso, Greg le millionnaire, charismatique, très dur aussi, voilà. Il avait la voix du propriétaire, donc c'était un peu compliqué. C'est sûr que c'était au doigt et à l'œil, donc très bon gars, quand même très chaleureux, très souriant. Si je devais le décrire en un mot, je pourrais pas, mais en un geste, ce serait ça. Mais Greg, magnifique, super gars. Ouais. Naka, c'est un numéro. C'est vrai que Naka, voilà, c'est un numéro, c'est le mot que je lui donne. C'est quelqu'un qui sait bosser, il sait faire, il sait ce qu'il fait. Et c'est impressionnant comme ce mec-là. Et il est très intelligent, sincèrement. Et c'est un mec, voilà, j'ai accroché avec lui. Vraiment sympa. On a beaucoup d'amis en commun, donc ça nous a beaucoup aidés. Et je pense que voilà, derrière tout ce contexte de télé, tout ça, c'est un mec vraiment qui vaut la peine d'être découvert. Et c'est un bon gars. Ma petite Carla, ma Carlita, c'est une fille vraiment fantastique, voilà, elle a toujours le sourire. Elle est un peu comme moi en fait, moi j'ai toujours le sourire et elle aussi. Donc au final, c'est vraiment une fille très intéressante, voilà, on rigole bien. Elle est encore très très jeune, c'est un petit bébé Carlita, c'est pour ça qu'il voilà, faut la protéger. Mais en tout cas, Carlita c'est ma petite sœur, ça bouge pas. Ken, c'est vraiment, voilà, c'est le frère, c'est mon frère, vraiment, sincèrement, c'est un mec, je peux pas dire autre chose, c'est mon frère, c'est un mec qui m'a beaucoup aidé, que j'aide beaucoup. Je lui dois beaucoup de choses dans cette aventure. Voilà, j'en ai pleuré. Ça a été compliqué. T'imagines même pas, je suis en train de craquer. J'en peux plus. Mais voilà, c'est un garçon vraiment que je porte dans mon cœur et qui est très très spécial pour moi. Jérémy. Oh mon Dieu, Jérémy, c'est quelque chose vraiment. Les problèmes, vraiment, c'est un mec incroyable. C'est vrai que j'ai beaucoup accroché avec lui, dans les deux sens, autant dans les problèmes que, en fait, je sais pas, dans le bonheur. En fait, on s'est bien entendu, c'est un mec que je porte aussi dans mon cœur et qui est très très spécial pour moi. Et c'est un mec qui peut te rendre fou, en fait, mais qui a tellement d'amour que tu peux pas le détester, c'est impossible. Moi, je l'adore, ce mec. Quoi que je suis une idiote ou quoi ?